Ça va à peu près. T'as l'air un peu. Enfin, t'as un peu forci. Ici, tu sais, c'est plutôt cuisine traditionnelle. T'as l'air un peu contrarié que je sois venu. Non, j'avais pas envie que tu me vois gros, mal fagoté. J'ai pas dit ça, Hugo. J'ai juste dit que tu es un peu. Arrête avec tes un peu! T'es un givaro, Julien. À quoi? Un givaro. Tu sais, les réducteurs de tête. Tu t'es un peu marié avec quelqu'un que t'aimes un peu, t'as fait un peu d'enfants et tu t'emmerdes. T'es injuste. À peine. Bon, maintenant que t'es là, comment il va le vieux? Papa? Bien. Il a ses jours. Des jours où tout va bien, on voit rien, et puis d'autres, plus difficiles. C'est pour ça qu'il vient pas te voir. Il m'a oublié? Pas du tout. Oh, dommage. Il croit que tu es toujours avec Sylvia et que tu habites en Argentine. Pourquoi t'as tout gâché? Parce que. Parce que j'en avais assez de votre conspiration pour faire de moi un homme d'exception. J'étais un gosse qui voulait jouer au foot et embrasser les filles dans les coins. Je suis toujours ton grand frère. Ici, les grands frères, ils ont plutôt tendance à abuser de la situation. Je te fais pas un dessin. Ne reviens pas, s'il te plaît. Il te fait du mal pour rien. Capitaine. Bonjour, monsieur le professeur. Madame Roca, notre professeur de latin grec, à qui on doit la renommée de notre établissement dans la communauté enseignante de la France entière. En quoi pouvons-nous vous être utiles, capitaine? Vous avez d'autres? Oui, elles étaient quatre. Trouvez-la. Comment s'appelait-elle? Il me semble qu'elle est devenue hôtesse. Hâtez-vous, sinon c'est une morte qu'on va retrouver, là. Non, mais vous avez vu ça? Mais quelle arrogance! C'est insensé qu'on puisse garder des types comme ça dans la police. Quel sale flic! Bah écoutez, ce sale flic est le père de mon fils et mon ex-mari. Ah, le Vendroux. C'est quoi ce devis idiot de 74 543 euros? Mais c'est le devis des travaux d'assainissement et de mise aux normes des derniers hangars. Et ça coûte 75 000 euros. Ah bah, première nouvelle. Ah bah, ce sont les mesures de sécurité que nous sommes engagés à respecter. C'est dans le cahier des charges. Mais regardez, c'est le même devis que les premiers hangars. Enfin, Vendroux, c'était pour les premiers. Maintenant, on est dans la place. Il n'y aura pas de contrôle avant des mois. Et puis, de toute façon, qui est-ce qui va aller regarder sous la farine? C'est une question de conscience, monsieur Barelli. On ne peut pas jouer avec ça. Une question de quoi? C'est vous qui venez me parler de conscience, Vendroux! C'est que je suis responsable. Vous n'imaginez tout de même pas que j'ai fait appel à vous pour vos capacités professionnelles. Je me suis pas posé la question. Sale petit menteur de merde. Je vous ai choisi parce que vous avez construit un barrage qui n'a pas tenu et que vous avez failli aller en prison pour ça. Je vous assure que c'était une erreur judiciaire. Je m'en fous! Plus personne ne voudra jamais de vous. Vous êtes dans cette maison, vous savez pourquoi faire? Non, monsieur Barelli. Pour fermer les yeux. C'est compris? C'est compris. Ouais. Vous disposez de 10 000 euros, pas un sou de plus. Je peux rien faire avec ça. Non, vous les mettez dans votre poche, je m'en fous.